Salut people, c'est Mathias. Donc ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé. Donc déjà, j'ai quelques nouvelles à vous annoncer. Donc bon, je vais faire très rapidement tout ça. Donc déjà de 1, vous savez que l'été approche, que tout ça, bon, je risque bientôt. Donc je risque, alors ça c'est une surprise parce que d'habitude, quand je pars en enseigner, je vous dis toujours une date précise. Bon, là je dirais, j'en dirai pas trop. Donc vous verrez que je serai en Martinique, donc c'est pour très très bientôt parce que c'est beaucoup plus tôt que prévu. D'ailleurs ça m'a beaucoup surpris hein, parce que je ne m'attendais pas vraiment à avoir passer en Martinique aussi vite. Donc je vais passer très très vite là. Donc c'est plus tôt que d'habitude. D'habitude je pense aux alentours du 10 août, 14 août. 14 août c'est mon anniversaire, donc dans ces eaux-là. Donc là je pars vraiment beaucoup beaucoup plus tôt. Donc je vous ne dis pas, je vous en dis pas plus les abonnés, je vous en dis pas plus. Donc vous verrez très bien comment ce sera. Et de deux, de toute façon, la prochaine vidéo qui va sortir, ce sera en Martinique. Hein. Je préfère préciser la prochaine vidéo qui vient sortir au niveau tuto. Donc de deux, j'ai une bonne nouvelle aussi. C'est que je m'étais mis à la boxe pendant une année là. Mais là, ce que je vais faire là cette année, enfin la saison prochaine, donc je ne dis encore, bon, je vais pas m'emballer non plus. Mais bon, dans mes projets sportifs, je compte reprendre la compétition dans pas très longtemps. Donc d'ici la saison prochaine, donc déjà cet été, je compte faire des tutos karaté, parce que j'ai encore deux, trois petites idées qui me viennent à l'esprit là. On va revenir sur la base, les bases solides du karaté, vraiment les bases pour vraiment progresser en kumité. Donc c'est ce que je vais vous démontrer en Martinique. Donc je n'en dis pas plus sur les vidéos. La saison prochaine, vous risquez... C'est encore... voilà, il faut que je mette tout ça en place, parce qu'après, voilà, je dois passer le permis, je dois passer tout ça. Donc c'est un truc qui prend beaucoup de temps, parce que pour moi qui compte revenir vivre en Martinique. Si j'ai pas le permis, bon, pour ceux qui connaissent les dom-toms, vous savez que si on n'a pas le permis, c'est assez compliqué en Martinique pour se déplacer. Les moyens de locomotion ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Donc c'est ça aussi qui me serait vraiment utile et qui me débloquerait vachement sur mon autonomie en Martinique. Donc voilà. Donc en fait, bon, c'était une petite parenthèse. Donc je risque, parlons niveau sportif, je risque de reprendre une saison assez mouvementée. Donc c'est-à-dire que je vais reprendre le karaté, bon, petit à petit, hein, je vais retourner dans mon club, je vais reprendre le karaté petit à petit. Voilà, transpirer un peu, retrouver un peu des sensations. Donc sachant que je vais vous faire un tuto karaté là qui arrive cet été. Donc. Et on va essayer de se remettre en forme et de reprendre la compétition. Donc sachant que je passe en senior. Donc senior c'est la catégorie vraiment, c'est un changement de monde. Parce que tous les combats que vous avez pu voir, ça a été en junior, cadet, même minime. Voilà, pour ceux qui m'ont connu très jeune. Mais là, ça, je vais passer en senior. Donc ça risque d'être une saison vraiment difficile, difficile pour moi, très dur. Et assez compliqué parce que senior c'est un autre monde, donc il faudra vraiment s'accrocher mentalement, tenir. Et voilà, bon, j'en dis pas plus. Donc, on va dire que pour ma saison prochaine, ça doit septembre prochain, ça va être vraiment une année vraiment mouvementée pour moi parce qu'il y aura le permis qui va me prendre beaucoup de temps, plus le sport. Et le sport, ça, ce qui va me prendre encore plus de temps parce que vous-même qui me connaissez, vous savez que souvent avec les compétitions, on peut passer en déplacement pour un Cheval de France ou pour une Coupe de France ou pour un Open Adidas. En fonction de là où on ira, je serai beaucoup en déplacement. Donc ça va faire plaisir, ça va me remettre en mouvement et ça pourra permettre aussi d'alimenter ma chaîne YouTube et puis de voir de nouveautés. Voilà. Donc people, merci d'avoir visionné ma vidéo. Je vous donne rendez-vous en Martinique. Je vous dis pas la date. On verra la prochaine vidéo qui sortira, ce sera quand je serai en Martinique. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite tous, pour ceux qui sont encore en scolarité, examen, tout ça, voilà, bon. Je vous souhaite tous une très bonne fin d'année. Voilà. Les bonnes vacances arrivent bientôt. Et pour ceux qui vont commencer l'année d'après, bon, j'aurai le temps de vous le souhaiter en Martinique. Mais bonne continuation et bonne année à vous tous. Et puis big up, hein, voilà. Bon, mis à part ça, j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Donc voilà. Donc rendez-vous en Martinique. Je ne dis pas plus. Et puis big up.